une variété de ferfugbar, dite ferfugbar à colis, qui manifeste un appétit violent pour les pas de soie. Une école fantaisie. Ma petite, qui semble attester d'un reste d'activité hormonale, ou si vous préférez, d'une survivance de l'instinct sexuel. Très élevé. Mais le ferfugbar courant ne manifeste d'intérêt que pour le narcueil de Marseille. Lorsque son ingéniosité ou sa chance lui ont permis de s'approprier un objet de parure, il s'efforce aussitôt de l'échanger contre une gamelle de rutabaga. Ne faites pas attention, c'est le mot. Il met dans cet état. Vous remarquerez, chers auditeurs, que seuls certains mots dans la liste que je suis en train d'établir fera l'objet d'une conférence à l'Académie des sciences. On le doit de sortir notre animal de sa stupeur léthargique. Pour être complet, nous devons citer des vérités de virilisation parmi les triangles noirs, Germanicus. L'animal tend à prendre les formes extérieures du mâle. Il pèse les incisives et répond au nom de Chiron. Cette jeune personne est bien sympathique. Quoique, un peu familière.
cela ne me déplaît pas. Et puis, on voit tout de suite qu'elle a un cœur d'or. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Vous, Lulu, vous avez sûrement compris. Elle a dit que vous étiez son type et qu'elle ne demandait pas mieux d'être. Promenade sentimentale, en se tenant par les petits doigts, lola l'air. Mais c'est sur la couche. Le cœur, hein. Général. Monsieur, que venez-vous là? Est-ce possible? Une enfant si jeune, et elle ose s'adresser à moi? Mais quel genre est-ce donc? Je ne suis pas celle que vous croyez. Passez votre chemin, monsieur. Mademoiselle. Je ne pense pas ce pas-là. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous pouviez garder le pain. Elle a une touche à la cuisine. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle part la semaine prochaine comme volontaire pour le pouf. Le bordel. Oh! Ça fera le meilleur effet dans son dossier. Parce qu'elle est ici pour une histoire de... Et moi qui croyais que le pouf c'était un petit siège rond. Nous en reparlerons. Pour l'instant, partageons le pain. Jamais, jamais. Je l'exige. Chacune va en manger un petit morceau. Mesdames, mesdemoiselles, je vous ai présenté le julot, mais comme c'est une variété aberrante, nous n'insisterons pas et passons de suite à son aspect extérieur. Son pelage d'hiver est croisé. Son pelage d'été est rayé. En général, il perce ses peaux au printemps, avec beaucoup de gémissements, rhumes et fluxions de poitrine, entraînant le plus souvent la mort. Le fer fut parcourant a presque toujours les pieds plats. Par la suite d'un effondrement de sa voûte plantaire, dû, le croyons-nous, au fait qu'il reste debout 17 heures par jour. À moins que nous ne rapprochions cet affaissement des os des pieds de celui des épaules. Comme vous avez pu le remarquer, chers auditeurs, notre sujet semble ployer sous son propre poids, pourtant bien faible. Un phénomène qui correspond soit à la perte de son énergie vitale, soit à une décalcification avancée. Mais il est un autre affaissement que nous ne pouvons hélas passer complètement sous silence. Je dis bien hélas, car malgré notre insensibilité scientifique, nous reculons devant un certain détail. Il s'agit des seins, mesdames, mesdemoiselles. Donc je dirais plutôt qu'ils ne sont plus des saints, mais des martyrs. Qu'ils sont routiers, qu'ils sont
sont devenus nos petits païens. Ils sont tombés dans la dévotion. Tombés.